tous, bienvenue sur notre journal télévisé de la classe de neige de l'école Saint-Joseph de la Gorge. Nous commençons avec un reportage sur le centre Valéote qui nous reçoit à Bourg-Saint-Maurice. Bonjour, pour la première fois de notre vie, nous découvrons le ski alpin. Au début, nous nous cassons la figure, mais c'est normal. Grâce au moniteur ESF, nous commençons à savoir glisser et s'arrêter. Voici notre reportage. Finalement, après quelques années, tes rêves ne sont plus ceux d'une enfant. Et les roses posées dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs des champs. Et c'est le temps qui, et c'est le temps qui. Parce que le temps
Ce matin, on travaille en classe sur la faune et la flore du milieu montagnard. Et oui, la classe de neige, ce n'est pas des vacances. La preuve dans ce reportage. La flore. Alors d'abord, vous allez voir les chiens que on voit. Vous en pouvez voir. Thank you.
ce dimanche matin, nous allons partir pour une sortie raquette à Pézenas-Trois. Nous avons découvert la nature avec des traces d'animaux. Et bien d'autres choses comme les différentes sortes d'arbres. Voici nos images. Une allée. Qu'est-ce que c'est qu'une allée? Vous êtes une espèce de grande allée, entourée de chaque côté de grands arbres que l'on appelle des mélèzes. Voilà, c'est ça les mélèzes. Vous entendez? Vous écoutez tous? Okay, on va parler un peu de forêt, on va regarder les traces, tout en faisant de la raquette quand même. Hein. À l'aigle peut-être qu'on le verra, puisqu'on a vu le tour. C'est pas impossible. On regarde s'il y a des chamois, des aigles aussi. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il faut tout surveiller. On a 2 heures, on a le temps de voir pas mal de choses. Moi, j'ai déjà vu des... Mais bon, on est dans la nature, hein, c'est pas obligé qu'on le voit. Non, pas cette saison. Les marmottes donnent. Un arbre qui a des aiguilles, mais qui tombe pendant l'hiver. Vous voyez, ce sont ces arbres qui vous paraissent morts, là, mais ils ne sont pas morts, ils ont perdu leurs aiguilles. Alors que vous avez l'habitude de voir des sapins, les sapins ou les autres, les épicéas, c'est des termes peut-être un peu difficiles pour vous, qui restent toujours verts, ben le mélèze, lui, il perd ses aiguilles pendant l'hiver. Hein. C'est le seul arbre de cette espèce, le seul résineux, le seul conifère. Ce sont des conifères parce que les fruits, ce sont des cônes conifères. Donc, le seul conifère qui perd ses aiguilles pendant l'hiver. Oh, ben oui, voilà les aiguilles. Francis vous les montre. Là, celui-là. Hein. Ces arbres ont donc 200 ans. En 1810. Et amène plutôt à ce qu'on appelle... La... On va y passer à côté. Hein, y avait... qui travaillaient aussi, c'est les anciens ateliers, les fonderies, le triage du minerai, etc. etc. quoi. Mais tout ça est en ruine. Oh non, il y a longtemps même, jusqu'à la fin du siècle dernier. Mais c'est une belle maison ça, elle va être restaurée. Là. Pourquoi la porte n'est pas fermée là? Mais, parce qu'il n'y a jamais du minerai simple, hein. Y a toujours plusieurs minerais ensemble, hein. C'est très fréquent. Plomb, nickel, argent, cuivre, il peut y avoir aussi. De l'or, ça peut arriver, mais... D'accord. Moi j'ai un nez assez grand, mon grand-père et mon père, ils avaient une moustache. Le garde champêtre il y a quelques années, c'était ça. Mon grand-père, mon Ken. L-I-C-H-E-N. C'est un terme un peu difficile. On peut regarder alors. Oh oui, on peut le regarder. Ce n'est pas une mousse. Hein. Contrairement à ce que vous pouvez croire. De la mousse, il y en a là. C'est ça par exemple, la mousse. Ah, ouais. Non, pardon, ça sur les têtes. Si vous voulez, un champignon.
et une algue. C'est-à-dire, c'est un végétal, un peu comme la mousse. C'est à la fois un végétal et un champignon. Ça pousse sur les rochers, sur les arbres, mais ça se nourrit pas, ça ne se nourrit pas de l'arbre. Donc, ça n'abîme pas l'arbre du tout. Sa vie, on dit que ça vit en symbiose avec l'arbre, un terme qui est beaucoup trop grand pour vous, mais ça vit en harmonie. Oh. Bon, j'ai un coup sur l'arbre. Ça sent comme le... On dirait du foin. Du foin, ça sent pareil. Ça sent l'odeur que ma mère, elle met pour laver le carrelage. Oh ouais. Un peu. Oh. Ces baies rouges, là, vous en avez aussi en pleine, vers chez vous. Hein, non, personne ne sait le nom. C'est quelqu'un parmi vous qui m'a posé une question, pourquoi il n'y avait pas de chêne ici. C'est une question intéressante, mine de rien. Ben, vous, chez vous, il fait plus chaud ou il fait plus froid qu'ici? Ouais, en principe, en pleine, c'est en pleine. Il fait plus chaud, donc le chêne, c'est un arbre qui vit, qui aime bien vivre... On a un climat assez chaud, donc ici on a 1500 mètres. Alors Jean-Claude, c'est pas trop dur de filmer dans ces conditions-là? Oui, oui, je comprends, t'as du mal à parler. Oui, effectivement, c'est très très dur, il y a une neige, oh, il y a un vent terrible. Enfin, on a su être vidéaste, eh ben, il faut être prêt à tout. Alors écoutez, on y retourne, c'est vraiment galère, hein, je vous assure. Bon, écoutez, là, on y va parce qu'il y a une tempête de neige, c'est terrible. Bon, allez, on y va tout de suite, hein. Oh mon Dieu, quel courage il faut avoir aujourd'hui, c'est la Sibérie, c'est le Grand Nord. Ce matin, nous avons visité une fromagerie où l'on fabrique
du Beaufort, le prince des Gruyères. Nous fabriquons ce fromage à partir du lait de la vache d'abondance. Voici notre reportage. Et d'avoir conservé le fruit d'un savoir-faire français bois, de la toile et le retournement des fromages. Dans chacune des 5 cuves, on le chauffe aussitôt pour qu'il atteigne la température de 33 degrés. Le fromager ajoute alors de la présure préparée à partir de la caillette de veau naturelle, macérée dans la récuite petit lait. Récuit, méthode traditionnelle permettant de cailler le lait. À ce deuxième jour de ski, nous progressons. Nous tournons en chasse-neige, glissant en traces directes. Voici nos images. Break my heart, I go, but I'll be back again.
La mer est de plus en plus souvent dans le terrier. Là-dedans. Il est merveilleux ce petit film, hein? C'était extraordinaire. Moi je le voyais pour la première fois, oui. On vient de la voir il n'y a pas très longtemps et je ne l'avais jamais vu, il est extraordinaire. Aussi les mâles qui se battaient à un moment donné, on a bien vu, pour qu'ils les aient leur territoire, si vous voulez, pour protéger leurs femelles de notre mâle. J'arrive. Oui, vas-y. Alors, il y a une famille qui vit dans un terrier, mais lorsqu'elles hibernent, vous savez, un terrier c'est quelque chose d'horriblement compliqué, c'est un véritable labyrinthe de galeries, de chambres à l'intérieur, très bien organisé en réalité. Mais une seule famille vit dans un terrier, mais il y a plusieurs terriers qui peuvent se rejoindre, et au cours de l'hibernation, il peut y avoir plusieurs familles dans un même terrier. Il y en a nous. Ah ben si, parce qu'on n'approche pas comme ça, la marmotte. Eh bien, à Grenoble, on a fait une grande manifestation, mais on n'a pas pris les fusils, on n'a pas pris les armes, hein. On est allé sur place, et on était 200 sur le terrain, on a creusé les terriers. Vous voyez comme quoi, à force, on observe les animaux, on apprend.
embrasse. Les gens qui ont bon appétit. Trop de bruit, nos élèves dorment. Il y en a même qui ronchent. D'autres se brossent les dents. Voici nos images.
des anges. Troisième jour de ski, certains savent déjà bien skier. Ils savent déjà faire le chasse-neige, la trace directe et le virage dérapé. Mais moi, je suis déjà au parallèle. Voici nos images.
Le chef d'opération doit coordonner tous ses moyens pour une réussite parfaite de l'opération. J'avais posé donc la base et j'ai demandé Alors, il dit qu'il s'appelle Geoff Boulanger, puisque je lui ai demandé comment il s'appelle. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Geoff? Il dit donc qu'il est chien d'avalanche, de recherche et d'attaque, également. Vous me comprenez bien, au fond? Oui, oui. Geoff, qu'est-ce que vous voulez savoir sur le chien? Son âge? Geoff. Quel âge as-tu, Geoff? Quel âge? J'ai 6 ans, il me dit. Alors je vais choisir au hasard, jeune homme. Combien mesure-t-il? Oh, quel ton piège, on ne l'a jamais posé celle-là. L'alerte est donnée, nous décollons avec l'hélicoptère, puisque tous les secours se font, sauf par grand mauvais temps en hélicoptère, il y a toujours ce délai de 20-25 minutes. Donc forcément, les odeurs seront revenues à la surface. Voilà. Oui? A-t-il déjà sauvé des vies? Alors sauver des vies, pour moi, ça veut dire arracher quelqu'un d'une mort certaine. D'accord? Il a déjà trouvé des gens, on va dire comme ça. Hein? Je préfère. Il en a trouvé, mais je ne tiens pas les statistiques. Bien sûr. Donc tous les stages que nous subissons, c'est un grand mot, puisque nous sommes volontaires. À la prochaine rediffusion. Salut. Et finalement, après quelques années. Amandine coince. Ouais. Kevin Bouquet. Et Justine Dordogne. Et voilà, donc les récompenses pour Saint-Jo. Donc pour le flocon, c'est bien ça? C'est bien le flocon. Étoile Saint-Joseph pour les premières étoiles. Ah, oui. Foucault. Et voilà, il obtient également sa première étoile. Ah, des débuts difficiles, quelques gamelles, mais par la suite, eh bien, ce fut brillant, il l'a bien glissé, il l'a bien maîtrisé. Clément. Et Clément également de Saint-Joseph qui obtient sa première étoile qu'il va pouvoir amener fièrement dans sa famille. Elle va certainement faire le tour de la famille.
Voilà également une première étoile. Regardez, Aline réjouit, c'est normal, c'est tout de même. Batteur. Également une première étoile. Le jury est là, notre ami Bernard. Et François, regardez, il est là, il est joyeux, il contient sa joie, on peut le dire. Rémi. Toujours Saint-Jo. Et toujours cette même fierté, une première étoile, ça compte dans une carrière de Marine. Marine qui est contente car ça n'a pas toujours été facile, mais là, quelle satisfaction de l'avoir obtenu. De long. Voilà également une première étoile qui récompense un séjour qui n'a pas toujours été facile. La neige, il a beaucoup neigé. Voilà Alexis qui est papa. Voilà qui. Oui, voilà, il est là, donc une petite erreur. Il obtient également sa première étoile. Et il en est content, même s'il est réservé sur ce parcours. Et Maxime également, première étoile, avec un coefficient de points suffisant. Voyez Jennifer également de Saint-Joseph, qui, comme les autres, obtient sa première étoile. Cyril, sa première étoile, une preuve directe, le coup. Une maîtrise technique suffisante. Voilà Aurélie également, première étoile. Voilà Bernard, le premier étoile. Adrien avec le char du Racing Club de Lens, s'il vous plaît. Voilà un jeune supporter qui va pouvoir fièrement porter cette étoile à Félix Bollard. On pense à lui, Tulier. On peut l'applaudir hein, quand même pour sa absence, pour ce candidat malheureux, mais qui a obtenu quand même sa première étoile. Il est malade, il est dans sa chambre. Bande de Castel. Et Jennifer également, qui arrive et qui obtient. Geoffrey. Et voilà, Geoffrey, troisième étoile. Alors là, vraiment, c'est le haut du podium. On ne peut pas faire mieux, c'est très très bien. Belle performance. Il est de Saint-Jo. C'est bien ça, il est de Saint-Jo. Troisième étoile, s'il vous plaît. Quelle performance. Page quasiment parallèle, même. Et enfin. Voilà, bravo. Pour la troisième également, Grégory, et voilà la photo souvenir.